Tous les propos suivants sont fictifs et restent donc dans le contexte d'un jeu et non dans la vie réelle. Eh ben salut à vous, jour d'Exolomère. Et l'Eradicator est de retour parce que déjà 2 semaines et les sales parasites commencent à refaire surface. Alors je pense qu'il est grand temps de faire le ménage. Allez, rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un certain Xeno Namek. Alors vous allez voir, déjà le mec il est trop moche. Vous allez voir, dans quelques instants, le mec il est trop moche, frère. Et je pense qu'il mérite l'éradication rien que parce qu'il est moche. D'ailleurs, il m'a causé quelques petits problèmes, mais l'éradicateur ne planchera pas les mecs. Pas devant ces abominations totales. Il se doit de faire le ménage. Allez, éradiquons cet enculé. 3, 2, 1. Imminent eradication. Ok, donc déjà tu vois, on a un mec gros, il est trop moche. Frère, regarde sa gueule, c'est quoi cette bouche? Pourquoi t'es vert gros? Namek. Wesh, ta maman Namek, elle t'a accouché par le cul ou quoi mon pote? What the fuck? C'est quoi cette tête gros? Attends, fusionné. Donc le mec gros, il a fusionné avec Mr. Popo sûrement, on est d'accord? Donc déjà, gros, tu fusionnes pas avec un mec qui s'appelle Popo. Tu t'attendais à quoi gros? À devenir beau gosse ou fusionner avec un popo ou quoi? Qu'est-ce que t'arrives frère? Tu voulais un peu de personnalité avec cette bouche ou quoi mon pote? Putain, il m'a déjà saoulé gros. Il m'a déjà saoulé. Eh, tu crois que je vais me retourner tout seul toi ou quoi là? Tu me prends pour qui? Tu me prends pour un oubli ou quoi là, cousin là? Qu'est-ce qui t'arrive là? Eh non, derrière toi mon pote. Non, vous allez voir les mecs. Hein. Je suis à faire, c'est pas bien hein. C'est pas bien tout ça. C'est pas bien. Putain. Je vais inverser le temps. Bah tiens donc. Bah tu sais quoi, vas-y, inverse le temps, pote. Fais-moi le plaisir d'inverser le temps. Et change-moi ta dégaine de vomi ambulant. Là. C'est pas ma faute, on dirait un vomi qui bouge, regardez. Putain. C'est pas possible. Alors les gars, ok les gars. Donc voilà. Donc les gars, les mecs, premier manchot. Et ce vomi ambulant va se parler manchot H24, les mecs. Je rigole pas, hein. Et vous savez quoi? On va compter combien de manchots cet abruti peut sortir à la zone. Allez, c'est parti. You're a loser. You're a loser. You're a loser. 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 You're a loser. Loser. Neuf manchots en l'espace de 23 secondes. La foule est en délire. Ce qui se passe actuellement est absolument incroyable. Thierry, du jamais vu. Oui, tout à fait, Jean-Christophe. On dépasse le record mondial des plus grosses merdes spammeurs de manchots sur Xenoverse 2. C'est un très grand exploit et devient tout juste la plus grosse merde en tant que spammeur de manchots sur Xenoverse 2. Du jamais vu. C'est quand même bien, c'est quand même magique avoir beaucoup de courage. Non, Kenji, dégage, je vais pas chanter Andalou, les samouraïs, ce que tu veux, on bat les couilles. Bref, éradication imminente. Éradication terminée.
et ce vomi sur pattes ne reviendra pas de sitôt. Préférez perdre en étant loyal que de gagner sans en avoir le mérite. Car il n'y a rien de plus glorieux que de gagner loyalement. Gardez votre fierté, les gars. Et n'oubliez pas, les mecs, force, honneur and love. C'était l'Eradicator. Ma mission est terminée pour aujourd'hui. Eradication has been completed.